ne pas faire assez de recherches et investir sur la base des conseils. La majorité des gens qui font des fautes, qui perdent de l'argent dans la bourse et vont investir simplement en train de lire des conseils sur des forums Facebook, etc. Il ne faut jamais regarder les conseils de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous savez qu'il n'y a aucune base d'investissement. Du coup, vous pouvez commencer à apprendre avec des vidéos, des lectures, des livres. Sur ma chaîne, j'ai déjà indiqué beaucoup de livres pour vous commencer que vous pouvez commencer à utiliser, utiliser pour lire et apprendre beaucoup de choses. Essayez de gagner de l'argent rapidement, c'est la recette pour perdre. Vous allez commencer à regarder les Forex, l'analyse technique, etc. Ça, c'est la recette de perdre de l'argent, c'est d'investir sur le court terme. Troisième point, l'exposition soudaine au marché et aucune diversification. Il y a des gens qui arrivent avec un paquet d'argent, mais tout dans un seul coup, ne savent pas comment diversifier, quoi acheter, ne font pas de diversification. 10 000 euros sur une seule action. C'est la façon, c'est la recette pour perdre de l'argent. Évidemment, vous pouvez donner un coup de génie, <laughs> qui c'est plutôt un chanceux, et être gagnant, mais aussi vous pouvez être perdant. Du coup, il faut en fait passer pour une grande diversification, respecter la diversification des bases, investir sur plusieurs secteurs et plusieurs sociétés. Évidemment, sur le deuxième épisode, on va parler des choix d'actions, on va parler de combien de secteurs on doit avoir, quel poids de chaque secteur. Okay. Et au troisième épisode, surtout, on va parler des managements des portefeuilles. Comment manager un portefeuille Si vous la peine de vendre l'action ou pas, si vous la gardez, il faut profiter de plus value ou pas. Le quatrième point ici, c'est tomber dans les biais d'aversion perte. Euh, beaucoup de gens, malheureusement, encore gardent des actions en perte. C'est un des principaux biais qu'on a vu aujourd'hui. C'est un des pires biais à tomber. Donc, si vous avez des actions à moins 15 ou moins 20, il faut prendre une décision. Soit vous vendez et remplacez par des autres actions, soit vous placez cet argent dans la réserve, mais il faut faire quelque chose. Vous pouvez renforcer aussi si vous pensez que le marché a tort et vous avez raison, raison. Et si vous voulez renforcer une action que vous aimez bien, la manque de patience, beaucoup de gens veulent devenir riches d'un jour sur l'autre ou pensent que le marché doit monter simplement parce qu'il a acheté sa première action. Euh, c'est pas comme ça que ça va marcher. Euh, les marchés, il y a des résultats qui sortent à chaque trimestre. On va commencer à investir. Ça va mettre des années pour commencer à voir l'effet des boules de neige, de l'argent. Mais il faut commencer. Il faut toujours en commencer. Si vous ne si vous voulez pas investir aujourd'hui parce que 10 ans ou 20 ans, c'est beaucoup, malheureusement, vous allez vivre encore 10 ans ou 20 ans. Et d'ici 20 ans, vous, vous allez continuer quelqu'un qui n'a pas d'épargne à côté. Vous voulez être quelqu'un qui a l'épargne à côté. Donc, il faut commencer aujourd'hui si vous voulez racolter sur tous ces résultats d'ici 20 ans. Sixième point, c'est les comportements moutonniers. C'est pas de deviner jusqu'à où le marché va shooter. Essayez, essayez de deviner les tamines de marché pour vendre ou acheter. Faites des achats réguliers. Utilisez mon petit tableur d'achat réguliers pendant les crises qui vous allez être gagnant si vous avez bien choisi, si vous avez bien une stratégie de long terme. Et donc, vous allez réussir dans la bourse.